Au ministère des Infrastructures et Travaux publics, les ministres et les entités sous sa tutelle décident désormais de parler le même langage. Ceci ressort de la visite effectuée par le secrétaire général aux infrastructures, aux installations de l'Office des voiries et drainages. Une deuxième visite de Georges Cauchy après sa prise de fonction, à en croire ces derniers. Cette visite fait aussi suite aux recommandations de sa hiérarchie en vue d'une meilleure coordination entre les ministères et ses entités. Le ministère des Infrastructures et les différentes structures techniques étatiques sous sa tutelle décident de parler le même langage. Ce souci a été partagé lors de la séance de travail présidée par le secrétaire général aux infrastructures et directeur général de l'OVD, son adjoint ainsi que quelques membres du comité de gestion. Une deuxième visite après sa prise de fonction de Georges Cauchy à la direction générale de l'Office des voiries et drainages. La première fois, c'était pour la remise des crises, mais cette fois-ci, c'était une séance de travail avec le DG, le DGA, avec son comité restreint. Je savais que je venais de prendre mes fonctions il n'y a pas très longtemps et que sur recommandation du ministre d'État et ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, il fallait absolument que je fasse le tour de toutes les structures du ministère, voir comment on peut collaborer. Étant donné que nous avons un même ministère, mais quels sont les paliers de collaboration entre nous, de manière à ce que les travaux que nous réalisons tous ensemble, nous réalisons d'une façon harmonieuse. Cette descente du secrétaire général aux infrastructures s'est soldée par la visite des différents bureaux sous la coordination du directeur général de l'OVD. Cette rencontre fait suite à la recommandation de la tutelle infrastructure en vue d'une meilleure collaboration.